Bienvenue dans ce nouvel épisode Rising. Nous allons parler aujourd'hui d'un groupe de rock stoner. Black Stone Cherry est l'un de ces groupes qui participent au revival du hard rock avec un son stoner rock sudiste. Rock sudiste ou Southern Rock parce que le groupe vient du Kentucky et Stoner Rock parce que stoner. Allez, un petit flash info sur le genre. Le rock stoner ou stoner metal ou stoner tout court est un style né dans les années 90. Généralement on dit stoner rock, mais certains groupes plus heavy sont qualifiés de stoner metal. C'est le même genre, et dire stoner c'est tout aussi bien. Après tout on dit pas grunge rock et grunge metal. Tandis que le grunge justement se développe, alliant punk rock, hard rock et rock alternatif, des groupes comme Kyuss et Sleep se développent, avec un son inspiré du heavy metal à la Black Sabbath, et donc du blues et du doom metal. Hawkwind et son son space rock sont aussi une grande inspiration du stoner. Les guitares sont accordées très bas, la basse est puissante et le chant... En fait, Black Sabbath a non seulement inspiré le heavy metal avec son heavy blues rock, mais ce groupe légendaire a aussi donné vie au doom metal et au stoner avant l'heure, avec des chansons proto-doom et proto-stoner. Le stoner c'est cool, j'adore ça, vous l'aurez compris, et l'un des principaux groupes du genre est Queens of the Stone Age, dirigé par Josh Homme. Josh Homme, qui a joué dans Kyuss, le premier groupe de stoner 90s, a aussi donné pour nom au genre Desert Rock, ou Rock du désert. En effet, il vient de Californie et jouait dans le désert, où il pouvait s'accorder très bas et jouer très fort sans déranger personne. D'où le nom Desert Rock. Voilà pour les petites anecdotes sur le genre, le stoner est aussi lié au sludge metal, ou sludge tout court, encore une fois, et au grunge bien sûr. Black Stone Cherry donc s'est formé en 2001 aux États-Unis, autour du guitariste et chanteur Chris Robertson, du guitariste soliste Ben Wells, du bassiste John Lawton et du batteur John Fred Young. La formation est très stable et sort son premier album en juin 2006. C'est Black Stone Cherry et il remporte un assez bon succès. Rain Wizard, Lonely Train, Backwoods Gold et Maybe Someday sont déjà des classiques du groupe. Le groupe produit aussi deux EP, un premier en novembre 2006 et un second en juillet 2007, contenant chacun 3 chansons. En 2008 paraît leur second album, Folklore and Superstition, et bien sûr Blind Man et d'autres bonnes chansons dont Reverend Vrinky. Leur troisième album, paru en 2011, Between the Devil and the Deep Blue Sea, est encore une fois très bon avec White Trash Millionaire, Stay et Die for You. Le groupe est revenu en 2014 avec Magic Mountain, toujours aussi bon que les précédents. Black Stone Cherry a désormais une bonne notoriété et enchaîne tournée après tournée. Voilà qui conclut ce 6e épisode de Rising. Nous avons vu un groupe vraiment sympa qui fait partie de ceux qui ramènent le hard rock sur le devant de la scène. Le rock stoner peut être qualifié de rétro par ses influences 70s, et un autre groupe de ce genre n'échappe pas à la règle, Kadavar, dont je parlais dans l'émission Released. En tout cas, partagez la vidéo et mettez-y un pouce vert.